C'est super inspirant, l'accord de piano, là. On dirait que t'as 1000 notes qui te viennent en tête, puis... T'sais... Quand j'entends des accords qui me plaisent, ouais. Ben là, selon le mood que je veux, j'ai baissé la lumière de ma chambre si je voulais écrire de quoi de plus sentimental, puis je pars la track, puis j'enregistre qu'est-ce qui me vient à l'esprit. When you sleep, maybe I don't know it, I feel. Fait que ça part pas des mots, moi. Ça part pas d'une histoire, ça part vraiment de quel son j'entends pour cette tune-là, puis quelle mélodie je vais avoir. Feel like I'm scared, baby, baby, I'm alive. On dirait que la guitare me limitait dans le genre de mélodie que je pouvais apporter. Plaquer un accord de piano, mettre ben du reverb sur l'accord de piano. Ouais. On dirait que c'était porteur de mélodie, puis ça me permettait de créer des chansons qui ressemblaient plus à la musique que j'écoutais. T'sais. On dirait qu'on pourrait écrire 12 tunes avec juste ça. Puis tu sais, ça, c'était là, un exemple. Tantôt, j'ai pris les accords de la tune de Lady Gaga. Ah oui. I'm beautiful in my way, cause God makes no mistakes. I'm on the right track, baby, I was born this way. Souvent, en faisant des mélodies, je marmonne, mais je marmonnais en anglais, puis des fois, des mots sortaient. Puis justement, Illuminate, ouais. Je marmonnais... Ta-da-da, ta-da, you build yourself, rise up, illuminate. Puis là, en le réécoutant, ah, ben c'est pas pire, Rise Up Illuminate. Fait que si on va garder, ouais. On part de ça. Je me crois en partant qu'on est là pour une raison. Tout au long du chemin, à chercher sa direction. J'ai toujours été dans un milieu sportif. T'sais, moi, j'ai joué au hockey toute ma vie, puis j'ai deux frères aussi, fait que j'ai toujours été dans des équipes. Donc là, c'était la première fois quand je me suis mis à chanter où est-ce que je me sentais moi-même à ma place, mais en étant seul. T'sais, dans la chambre d'hockey, c'est pas le sujet principal, la musique. Non, j'imagine. Pis surtout pas quand c'est un gars qui chante, puis tout. Fait que pendant plusieurs années, on dirait que je cachais ça, puis... Je me disais, voyons, tu te sens tellement bien quand tu fais ça, c'est tellement. Tu sais, c'est ça que t'aimes faire. Ton cœur bat pour inspirer tes peurs. J'écrivais comme si je parlais à mon fils. Okay. Si j'ai un fils plus tard. Fait que c'était comme pour lui dire, écoute-moi, mon fils, écoute cette chanson-là. Tu peux te faire confiance, ça va bien aller dans la vie. Il va y avoir des épreuves. Les gens vont pouvoir te juger, tu vas avoir des chemins tracés pour toi, mais toi, tu peux y aller à côté, puis tu peux tracer ton propre chemin parce que c'est correct d'être unique, puis c'est beau d'être unique, puis on est tous différents, puis on va apprendre à s'aimer en étant différent. Sois toi-même, puis c'est comme ça que tu vas briller. Élève-toi, peu importe les obstacles qui vont être dans ton chemin. Illuminé. Illuminé. Tout arrive. J'aurais aimé ça, me faire dire ça. Oui. Plus tôt, je me le faisais dire. Là. Ouais. C'est ça, ma mère me le disait, mais tu sais... De le comprendre. De le comprendre, puis j'ai essayé de mettre des mots. Puis je sais pas, peut-être que chanté par un jeune, je me suis dit... Peut-être que ça va rejoindre aussi des jeunes. Si on n'a pas tant une grande différence au niveau de l'âge. Oui, oui, tout à fait. Au-delà des murs qui te font de l'ombre, rise up, illuminé. C'est le moment de lancer ton premier album, en fait. Et c'est tes chansons. J'aimerais savoir, sachant que tu as coécrit des textes aussi avec Gaël, avec d'autres, est-ce que c'est ton vécu? Est-ce que c'est tes expériences? Est-ce qu'on te découvre personnellement sur cet album-là? Mais j'ai quand même voulu ouvrir une petite porte pour mon premier album, mais pas trop grande pour pas me dévoiler, parce que ce que j'aime aussi dans la musique, c'est quand tout le monde peut s'accrocher à ta chanson. Donc, j'ai essayé de prendre des sujets qui me parlaient, qui me concernaient, mais aussi d'être le porte-parole pour des situations que mes amis ont vécues. Puis ça, pour moi, ça me permet de connecter d'autant plus avec la musique que j'écris. Quand j'ai vraiment un visage, quand j'ai une histoire, même si c'est pas moi qui l'ai vécu, parallèlement, je l'ai vécu aussi, vu que c'était des personnes qui étaient proches de moi. Il ne nous
reste plus rien à dire. Comme c'est trop dur pour toi de nous choisir sans mentir. I'm Done Anyway, c'est le premier extrait officiel. Alors, ça parle d'une rupture amoureuse, d'un amour en fait qui arrive à la fin. Là, qui ouais. est... Donc, ça, c'est une inspiration autour de toi. Bien, à la base, la chanson, c'était pas une chanson romantique. OK. C'était plus vraiment de dire, moi, je mets le pied à terre, I'm done anyway, peu importe la situation. OK. Puis je me suis dit, moi, j'ai des amis qui ont vécu des situations comme ça, j'en ai à la tonne, tu sais, c'est rare des gens qui n'ont pas eu de grosses ruptures puis des gens qui ont joué avec quelqu'un puis tout. Donc, je me suis inspiré, oui, des histoires de mes amis. Le clip est très romancé, puis on est allé vers cet angle-là, puis la chanson aussi avec Scott, on est allé vers de quoi très romancé, mais je pense que les gens, même s'ils n'ont pas vécu une rupture amoureuse, peuvent quand même écouter la chanson puis se dire, moi aussi, il y a quelqu'un dans ma vie, que ce soit un ami, une relation toxique que j'ai eue, ou tout simplement la société en général, qui m'a déjà mis une barrière, qui m'a déjà tiré vers le bas, qui m'a menti sur qui je devais être, sur qui je suis. On dirait que la sonorité anglaise, c'est une langue qui danse, puis c'est, musicalement, c'est très beau. Fait que j'essayais tout le temps d'avoir une sonorité anglaise pour prouver qu'on est capable de faire de la bonne musique en français. C'était comme mon gros défi pour l'album. Never thought I would know. Mais je sais pas l'autre. Never thought I would know. She's so clear. Ça, c'est toi et moi. Ouais. Je voulais repartir les compteurs à zéro. Retrouver les heures, c'est plus haut que les pleurs, les échos, un peu de bonheur. Mais c'est un peu ça que j'essayais de faire. Tu sais, la première phrase en anglais, c'est... Never thought I would now see so clear. T'en as entendu, toi, des voix. Oui. Qu'est-ce qu'elle a, sa voix, à Félix? Richesse, justesse, juste un timbre agréable, pas agressant, très enveloppant. Moi, je dirais comme, c'est comme une voix rassurante, même. Avec Scott Price, c'est un réalisateur hyper talentueux, mais toi, t'es arrivé quand même avec des maquettes quand même avancées. Là. T'es capable de faire beaucoup de choses de ton côté. Bien, c'est sûr que j'avais comme le défi intérieur d'en faire beaucoup, on dirait. Mais les démos que j'ai faits, c'était très, très acoustique. Il m'a envoyé des tracks avec juste des basic pianos puis des voix, puis j'étais accroché tout de suite. Wow, ce gars-ci est vraiment, vraiment special. Il y a vraiment quelque chose. Au début, j'étais tellement gêné. Ben oui. C'est quand même le directeur musical de Céline. Moi, c'était comme, salut, moi, je suis Félix, j'ai 20 ans, je compose un peu. Là, ça fait 3 semaines que je compose, puis je chante un peu, tu sais. Je voulais repartir, le compteur à zéro, retrouver... Dans la musique pop, la complexité, c'est pas nécessairement... une qualité, là, tu sais, puis... Ouais. Les accords qui reviennent souvent, disons. Exactly, mais c'est ce que tu fais avec, tu sais, c'est comme l'émotion derrière ça. Lui, quand il chante un texte, c'est pas pour comme impressionner par ses chops, par ses connaissances, c'est juste, il veut qu'on sente quelque chose. C'était la dernière journée des auditions au Plaza à Québec. Je me suis dit... Imagine si tu passes les auditions puis t'es pris. Ouais. Comment tu vas te souvenir du moment où t'étais dans les escaliers puis t'allais chercher ta guitare pour prendre l'autobus de ville? Et je me souviens quand j'ai poussé une note, j'étais là, ça y est, je vomis devant tout le monde à la télé. Ce que je me souviens le plus, c'est comme la chaise de Laura qui s'est revirée. Ouais. Mais vraiment au ralenti. Tout est au ralenti dans ma tête. Vous avez eu une connexion très spéciale dès le début, hein, vous deux? Oui, vraiment. Puis je suis le premier surpris. Là. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Pour moi, Lara Fabian, c'est comme une chanteuse exceptionnelle. Wow! Fait que je ne sais pas si je serais le bon coach, mais... mais mon Dieu, tu m'as vraiment chaviré le cœur. J'étais totalement bouleversée. Quelque chose en moi s'est connecté à...
un souvenir d'enfance relatif à mon papa. C'est que la voix ressemble à celle de ton père? L'intégrité de la voix. Ah ouais. L'intégrité de sa voix. Et puis, quand je me suis retournée, que j'ai vu le garçon avec un chapeau, puis si je te montrerai une photo de mon père à l'âge de 17 ans qui chante, tu seras assez surprise de voir le positionnement, le sourire, le côté lumineux qu'ils ont en commun. Et là, j'ai effectivement eu une sorte de petit choc. Tu sais, quand tu reconnais quelqu'un qui est de ta famille, tu vois, qui est de ta famille d'âme, c'est ça qui s'est passé. Et j'en ai jamais démordu. Avec ce jeune homme fabuleux qui n'aura jamais cessé de m'émouvoir, mesdames et messieurs, Félix Lemelin. Je dirais qu'il est unique. Tu me diras, ben oui, Lara, mais chaque artiste est unique. Eh bien, lui l'est de façon très particulière, une sorte d'incarnation d'une très, très vieille âme, à mon sens, dans la façon qu'il a d'appréhender la musique au travers de sa vie. Je pouvais, je te dirais, reste avec moi. Je te dirais qu'en fait, Félix Lemelin est l'exemple parfait d'un artiste qui incarne sa vie au travers de la musique et non pas incarne la musique dans sa vie. J'ai envie de te garder là, parler tout bas. J'ai juste hâte que le monde entende qu'est-ce qu'il est capable de faire. Moi, je l'avais vu un petit peu à la voix, mais je trouve que le monde ne le connaisse pas comme, évidemment, moi, je le connais. Puis qu'est-ce qu'il a à offrir? Je pense qu'il va plaire à une grande partie de la population. Surtout quand on a besoin d'un peu de calme, des belles chansons, bien chantées. Un confort. Oui, exactement. J'ai juste hâte que le monde le découvre. Puis cet accord-là. OK, on va écrire une autre tune avec les mêmes accords que tantôt. OK. On va essayer... Je dis n'importe quoi. C'est fou. C'est ça que j'aime dans la musique, c'est que tu peux faire ce que tu veux avec un petit peu d'effort, puis si tu crois en toi, tu peux composer des tunes.